Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'être inscrit à la salle de sport pour pouvoir faire du sport. Et tout simplement, en fait, vous pouvez vous entraîner à la maison, mais également à l'extérieur. Et il y a un très bon truc, en fait, pour s'exercer à l'extérieur, qui est d'utiliser les escaliers que vous trouvez un peu partout, soit monuments, parcs, etc. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo 5 exercices que vous pouvez faire dans les escaliers, partout où vous les trouvez. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va d'abord commencer par une série d'échauffement. Pour le warm-up, on va faire des montées et des descentes, toutes simples, sur chaque step des escaliers. Donc, montée, descente, un par un, deux montées, deux descentes. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de sauter un escalier, de les monter et de les descendre deux par deux. Il faut bien faire attention à ne pas se casser la tronche, bien évidemment. Mais c'est un bon moyen pour vraiment mobiliser tous les muscles de la cuisse et de la jambe. On va continuer ensuite avec toujours l'échauffement par ce que j'appelle des step-ups. Donc vous allez prendre une marche dans le sens de la longueur et vous allez alterner une jambe au-dessus, une jambe en dessous. Et vous allez faire ça 5 fois. Le but, c'est vraiment de sentir que son corps s'échauffe tout simplement. Donc autant que vous pouvez le faire. Et le troisième type d'exercice qui est bon pour l'échauffement également, c'est ce que j'appelle donc les jumping jacks, que tout le monde appelle les jumping jacks. Et il faut en fait faire un mouvement de papillon, en fait, comme vous le voyez sur la vidéo, avec les jambes écartées, les bras écartés en l'air. Et on regroupe le tout avec les pieds ensemble. Et vraiment, faites attention à bien vous concentrer parce que vous pouvez vraiment vous casser la tronche, donc faites vraiment attention, allez-y doucement. Et on va commencer avec le premier exercice de cette série, les fentes, qu'on appelle en anglais les lunges. C'est un très très bon moyen de mobiliser aussi tous les muscles qui sont à l'intérieur de la cuisse et à l'extérieur, postérieur de la cuisse. Et donc vous allez faire ça, vous allez prendre 2-3 marches en fait. Et ce que vous pouvez faire, c'est abaisser la jambe qui est allongée pour faire des petits mouvements de haut en bas. Ça mobilise bien les fessiers également. Faites bien attention que votre genou ne dépasse pas le talon. C'est la chose la plus importante à savoir pour les fentes. Une autre variation pour les fentes, vous pouvez y aller 3 par 3, 3 marches par 3 marches, et faire donc les escaliers dans le sens de la montée, comme ça. Vous allez voir, ça travaille normalement. Vous pouvez faire ça 2 à 3 montées, c'est très bien. Une autre variation pour les fentes, les lunges, c'est de faire ce qu'on appelle les reverse lunges. Et vous allez faire ça, vous allez vous concentrer sur la jambe qui est vers l'avant en fait. Et vraiment, pensez également à la mobilisation esprit-corps-esprit-muscle. Pensez à ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de travailler pour vraiment mobiliser tout ce qu'il y a à mobiliser. Et vous allez en faire 10 sur chaque jambe. L'exercice suivant, c'est les squats. C'est vraiment un de mes exercices favoris parce que voilà, on sent bien que ça travaille au niveau des fessiers et ça, j'adore. Donc pour les squats, vous faites 2 à 3 montées. Normalement, c'est très bien. Si vous pouvez en faire plus, allez-y, amusez-vous. Mais voilà, 2 à 3 montées, c'est ce que je recommande pour ce workout. Une variation pour les squats, si vous ne voulez pas la faire en montée, vous pouvez également les faire sur les deux premières marches. Et donc faire le squat en haut et ensuite sauter vers l'arrière.
Faites bien attention à ce que vos jambes soient tendues quand vous sautez. Comme ça fait bien travailler la jointure également. L'exercice suivant, j'aime beaucoup, 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 c'est ce qu'on appelle le step kickback. Donc, comme vous le voyez, sur deux marches, il y a une jambe qui va faire un chassé vers l'avant, et ensuite, l'autre jambe, vous allez faire une fente. Et c'est un exercice vraiment très complet. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous faites ça, donc 10 sur chaque jambe. 2 à 3 séries également. Vous allez voir, c'est vraiment très très amusant comme exercice. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Voilà. Ce qu'il y a de particulier avec cet exercice, c'est que ça mobilise également les abdos. Donc, parce que vous devez être en équilibre quand vous revenez du chassé et que vous faites une fente par l'arrière. Donc, ça mobilise également les abdos, donc ce qui en fait vraiment un exercice assez complet. Et on va terminer avec des push-ups, les fameux push-ups. Hein, voilà, très simple, vous savez comment faire. Faites bien attention à l'écartement des bras, pas trop loin, pas trop proche, pas trop serré non plus. Prenez la largeur des épaules et ajoutez une main. Et donc voilà, on va en faire 10, deux séries de 10. Une autre variation un peu plus compliquée, si vous voulez corser la chose pour les push-ups, c'est de faire les reverse push-ups. Donc vous avez les jambes sur la troisième ou la deuxième marche. Et vous y allez vers le bas. Et c'est vraiment difficile. Moi, j'arrive à en faire 5. Si vous pouvez plus, c'est très bien. Mais voilà. Si... Voilà. 5, c'est très bien. C'est raisonnable. Deux séries également. Donc, voilà. Après tous ces exercices, normalement, ça devrait bien travailler au niveau fessier, cuisse, mollet, toute la jambe. Ça devrait vraiment bien brûler à ce moment-là. Là, je vais en profiter pour faire des étirements. N'oubliez pas vraiment de vous étirer. Utilisez les rambardes qu'il y a souvent autour des escaliers pour voilà, vous étirer un peu plus. Et voilà, enfin, que dire de plus? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Comme toujours en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, ce qu'il y a de cool dans ce genre d'exercice en plein air, c'est que voilà, vous respirez. Et surtout, le point que je voulais mentionner à la fin de cette vidéo, c'est vraiment prenez votre temps, prenez votre temps, allez à votre rythme, faites votre maximum, mais vraiment faites attention à faire le nombre de répétitions que vous pouvez. C'est vraiment à titre indicatif les choses que je dis dans cette vidéo, donc c'est vraiment à ajuster à chacun d'entre vous. Donc voilà, sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!